L'Église orthodoxe patriarcale nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergio Spakomios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez de par le monde entier, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, soyez bénis. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour le souffle de vie que chacun de nous a reçu. Alors, je suis le révérend Père Ismaël René Achia et ce matin, je veux nous entretenir dans le cadre de la catéchèse orthodoxe. Alors, si tu es connecté en ce matin, je te souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous nos catéchumènes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais nous demander rapidement de partager cette vidéo. Si tu t'es connecté, partage cette vidéo. Prends le lien de cette vidéo. Envoie-la dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Zoom et autres partout. Voilà, il faut partager. Moi, je partage aussi. Donc, partageons afin que la bonne nouvelle soit proclamée de partout le monde entier. Vous tous qui nous suivez de partout, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a forcément une bonne nouvelle qui sera annoncée dans la vie de quelqu'un de par cette parole que tu vas entendre. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie en ce matin. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement, c'est une formation. Et lorsque nous parlons de formation, nous parlons donc d'approfondissement. Nous allons rentrer dans certaines profondeurs, dans certains détails. Alors nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur, pour demander la grâce de Dieu sur notre vie, sur ce temps. Demander l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit, en ce jour même, puisse parler à nos cœurs. Je vais traiter du cinquième, sixième article de la foi. Et ces deux articles nous parlent de résurrection et d'ascension. Alors, demandons l'Esprit de la résurrection en ce matin. Si tu as connecté, il faut partager la vidéo. N'aie pas peur, partage la vidéo au maximum et suis attentivement cet enseignement qui va à coup sûr te faire du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous rentrons dans notre thème de ce matin, le cinquième article de la foi. Le dimanche dernier, avec la presbytère Josiane Amann, effectivement, nous avons vu le quatrième article de la foi. En ce jour, nous verrons le cinquième et le sixième article de la foi. Le sixième, donc, qui parle de l'ascension. Voilà, donc si on a un peu de temps, on va rentrer dans ce sixième article. Mais c'est sûr que nous allons traiter en ce matin le cinquième article de la foi. Il s'agit bien de cette parole de notre credo. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Alors, ce parle de la résurrection. La résurrection, j'ai envie de dire, est le fondement de notre foi. Nous, en tant que chrétiens, chrétiens orthodoxes, et peut-être même les autres confessions chrétiennes aussi,
Ce qui marque notre chrétienté, c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le temps d'expliquer ceci, pourquoi? Parce que Paul a dit, en 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Si Jésus n'est pas sorti du tombeau, notre foi est vaine. Et il continue dans le verset 18, il dit, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est-à-dire, les gens ont souffert, ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont livrés en martyre, en sacrifice pour ne rien si Christ n'est pas ressuscité. Si on veut attaquer la foi d'un chrétien, c'est de démonter cette thèse de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pourquoi en tant que chrétien, vous tous qui nous suivez, il ne faut jamais plaisanter avec ces choses, il ne faut jamais jouer avec ces choses. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que ça ne sert à rien d'être chrétien. Si nous sommes chrétiens, j'aime bien cette parole de notre père évêque qui dit, le chrétien est le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que Christ est mort et ressuscité qu'il y a aujourd'hui des chrétiens. Donc ce point est un point capital. Deuxième chose à comprendre sur la résurrection, c'est que c'est la résurrection du Christ, en vérité, qui est le gage de notre salut. Alléluia, que quelqu'un dise Amen fort. C'est parce que Christ est ressuscité que nous avons aujourd'hui l'assurance que lorsque nous allons partir auprès du Père, il y a une maison qui va nous attendre. Il y a une vie éternelle après cette vie que nous menons. C'est pourquoi il est important d'avoir la révélation de la résurrection. La résurrection est une révélation qu'il faut avoir. Parce que si tu n'as pas la révélation de la résurrection, tu peux avoir parfois des pensées, des idées à croire qu'il est encore normal que tu sois dans la souffrance. Il est encore normal pour toi que tu vives sous l'oppression des esprits de famille, des œuvres démoniaques, des œuvres des ténèbres. Non, cela n'est pas normal. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Donc, il faut que cette révélation-là puisse exploser dans ton esprit, dans ton entendement. C'est pourquoi ce cinquième article de notre foi dit, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Non pas comme selon une pensée humaine, mais selon ce qui avait été écrit depuis toute éternité. Alors nous allons commencer à analyser ce cinquième élément du symbole de la foi. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Prenons d'abord la première partie. Il est ressuscité le troisième jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette phrase nous apprend que Jésus est ressuscité des morts comme il a été écrit par les prophètes et dans le psaume. Jésus-Christ est ressuscité dans son corps qu'il avait eu de la naissance et de la mort. Écoutez-moi très bien. Si tu es un chrétien et que nous fêtons Pâques et que tu n'es pas en joie, il y a un problème. Tu peux voir par exemple des personnes qui, en pleine fête de Pâques, ou bien à la sortie de Pâques, portent encore des vêtements de deuil, des vêtements de tristesse, qui affichent une mine triste. La révélation de cette résurrection nous dit quoi? Écoutez-moi très bien. Les pères de l'Église disent, Jésus-Christ est ressuscité dans son corps qu'il avait eu lors de sa naissance et à la mort. Le même corps que Jésus a eu lorsqu'il est sorti du ventre de la Vierge Marie. Le même corps avec lequel il s'est promené. Il a exercé son ministère. C'est le même corps-là qui a été mis au tombeau. Et c'est aussi ce même corps qui est sorti du tombeau. Imaginez un seul instant. Isaïe a dit, il a été flagellé, il avait été tellement maltraité qu'il ne ressemblait plus à un homme. Et c'est dans cet état-là qu'il a été mis dans le tombeau. Mais lorsque nous parlons de résurrection, la Bible dit que Marie-Madeleine l'a vu tellement beau après la résurrection. Il était tellement beau qu'elle ne l'a pas reconnu. Ça veut dire quoi? La chair, le corps, l'enveloppe mortelle de Jésus-Christ de Nazareth a pourri, son corps s'est reconstitué. C'est pourquoi il y a une puissance dans la résurrection. C'est pourquoi il y a une puissance lorsque nous fêtons Pâques. Ce n'est pas un simple mystère, c'est quelque chose de grand. Jésus-Christ est ressuscité dans son corps, dans le corps qu'il avait eu lors de sa naissance et de sa mort. Quel est le rapport maintenant entre la résurrection de Jésus et nous?
C'est ce que je tentais de dire tout à l'heure. Par sa résurrection, Jésus-Christ le Sauveur a posé le fondement de la résurrection pour chaque homme. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 20. Tout le monde sera ressuscité dans son corps propre dans lequel il est né et il est mort. J'explique. Jésus est la première personne. J'ai envie de dire, excusez-moi du thème, il est la personne expérimentale, excusez-moi vraiment du thème, que le Père a envoyé sur la terre afin de faire une expérience, l'expérience de la mort et de la résurrection. Il ne faut pas enlever, il ne faut pas oublier la résurrection. Il est le premier qui est venu mourir et ressusciter. Maintenant, en quoi est-ce que nous, ça nous concerne? Lorsque Christ est venu mourir et ressusciter, cela veut dire que pour toi et moi, voici le chemin que Dieu a tracé. Chacun d'entre nous allons un jour partir, allons un jour mourir. Mais la mort que nous allons connaître n'est pas une fin en soi. Cela n'est pas quelque chose, comment on dit, de fatidique. Non, il y aura la mort, il y aura notre mort. Mais surtout, il y aura notre résurrection. Et c'est ce que Jésus est venu expérimenter. Donc, par sa mort et sa résurrection, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et même de ceux qui vont mourir après, nous autres. Et tout le monde va ressusciter dans son corps. Le même corps dans lequel tu es en ce jour. Et tu m'entends de là où tu es. C'est ce même corps-là qui sera mis dans un tombeau un jour. C'est aussi ce même corps qui va ressusciter. C'est la même chair dans laquelle tu te trouves. C'est dans cette chair que tu vas ressusciter. C'est pourquoi Paul a dit, il faut prendre soin de son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu t'amuses à faire des choses bizarres sur ton corps, Dieu n'est pas dedans. Et j'ai envie de dire, tu vas rendre compte. En vérité, ton corps est une enveloppe qui t'a été prêtée par Dieu. C'est comme une maison que tu loues. Arrivé un moment, tu vas rendre compte au propriétaire. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, tous ceux qui sont habitués à faire des piercings, des tatouages, des choses bizarres sur leur corps, ce corps-là ne t'appartient pas. Quand tu prends ton corps pour aller coucher avec n'importe qui, avec tout le monde, comme tu veux, ce n'est pas pour toi. Un jour, tu vas rendre compte. Amen. Et c'est ce même corps-là qui est censé ressusciter. C'est pourquoi, imagine, si tu vis dans l'impureté, si tu vis dans le péché, ce corps qui va ressusciter, comment pourra-t-il cohabiter avec Dieu dans sa gloire, puisque c'est un corps qui a été souillé. Nous continuons. Alors, quelles sont les preuves de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez-moi très très bien. Ce point est très très important. Parce que c'est un point sur lequel les chrétiens sont attaqués. J'ai regardé une année un documentaire qui était très très agressif concernant la foi chrétienne. Et malheureusement, dans ce documentaire, il y avait même des prêtres et des religieuses de certaines églises, des serviteurs de Dieu, des pasteurs même, qui ont été pris comme témoins, qui ont donné des positions, mais des positions à accabler l'église dans son entièreté. Où il mettait même en doute le fait que Jésus soit vraiment ressuscité. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas de serviteur de Dieu, hein. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment touché. Si on veut détruire la vie d'un chrétien, c'est de lui faire douter que Jésus n'est pas ressuscité. Si on veut détruire ta vie, c'est-à-dire que si on veut détruire ta foi, si on veut t'emmener à perdre tout ce que tu as, c'est de t'emmener même une toute petite suggestion, de te faire croire un seul instant que Jésus n'est pas ressuscité. Et dès lors que tu as un doute à ce niveau, écoute-moi bien, tu pourras voir tout autour de toi s'écrouler. Parce que ce qui soutient le monde en vérité, c'est la résurrection de Jésus. Il faut le crier. Ce qui soutient l'humanité, c'est parce que Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, disons même s'il n'était pas venu pour mourir pour nous, nous étions encore en conflit avec Dieu le Père. Si tu es en conflit avec Dieu le Père, l'Éternel des armées, tu es mort. Christ est venu mourir pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et c'est sa mort et sa résurrection qui soutient l'humanité. Il faut avoir cela comme fixation dans son esprit. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit jamais discuter avec toi. Qu'est-ce qui prouve qu'il est ressuscité? C'est-à-dire des points là, avec toi, on ne doit jamais discuter. Il y a beaucoup de religions, je ne vais pas citer ici, qui ne croient pas que Christ soit mort et ressuscité. Qui ne croient pas que Christ soit, Jésus même soit Dieu. Et comment Dieu peut mourir? Pour eux, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est incompréhensible.
Voilà. Même les Juifs, même les parents de Jésus, là, les Juifs d'où Jésus vient, là, eux-mêmes, là, ils ne croient pas en sa mort et en sa résurrection. Voilà. Ils ne croient pas en sa mort et en sa résurrection. Donc, ça, c'est un point avec lequel il ne faut jamais jouer. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais même rêver. Même en rêve, si quelqu'un est en train de te parler en mettant en doute la question de la résurrection de Jésus, ah, my God, la personne est en train de t'attaquer de manière agressive, de manière violente et agressive. Quelles sont les preuves de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth? Il y a beaucoup de preuves. Je vais donner quelques preuves de ce que Jésus, fils unique de Dieu le Père, est venu sur la terre. Il a pris chair. Il a dit qu'il a été formé dans le sein d'une femme. Elle s'appelait la Vierge Marie. Et il est né. Il a marché. Il a vécu. Il a grandi. À 30 ans, il a commencé à exercer son ministère, prier pour les malades, chasser les démons. Voilà. À annoncer, il a annoncé la bonne parole, la parole de l'espoir. Et puis à 33 ans, il a été condamné à mort. Il est mort sur une croix. Ils ont pris son corps, ils ont mis ça dans un tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Quelles sont les preuves? Je vais commencer d'abord par cette preuve. Le sépulcre dans lequel le corps du Christ avait été mis, ce tombeau où on avait mis Jésus, a été retrouvé vide. Ça, c'est la base. Aujourd'hui encore, tu peux aller en Israël si tu as les moyens, tu vas aller voir le tombeau de Jésus. Le tombeau de notre Seigneur, Maître et Sauveur Jésus-Christ est vide. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Et voilà, il n'y a pas de squelette là-bas. S'il n'était pas ressuscité, le minimum c'est qu'on aurait trouvé au moins ses os. Voilà, mais il n'y a pas d'os là-bas. Ça veut dire, de manière basique, il n'est plus là-bas. S'il n'est plus là-bas, c'est qu'il est ressuscité. Il faut le croire. Ça, c'est la première des choses. Et les femmes mirophores sont parties. Les femmes mirophores, ce sont les femmes qui partaient embaumer le corps de Jésus. Elles étaient les premières à faire l'expérience de la résurrection. Elles ont vu un ange qui disait, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Que quelqu'un dise « Amen » fort. Marc, le chapitre 16, le verset 6. L'ange a annoncé cette parole aux femmes mirophores. « My God, il est ressuscité, il n'est plus ici. Il n'est pas ici. » Et elles sont parties annoncer la parole. Ça, c'est le premier signe. La première preuve de la résurrection, c'est le fait que le tombeau a été trouvé vide. Deuxième, le linge et les bandes funéraires posés dans le tombeau. Étant entrés dans le sépulcre, les apôtres Pierre et Jean ont vu les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. On trouve ce texte dans Jean, le chapitre 20, chapitre 20, le verset 6 à 7. Si le corps de Christ avait été volé du sépulcre, les bandes et le linge auraient été pris avec, car ces bandes et ces linges étaient collés extrêmement fort au corps embaumé par un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Écoutez-moi très bien. Deuxième argument, notamment, cet argument vient démonter un peu ce que les Juifs disent. Les Juifs disent que le corps de Jésus, en vérité, n'est pas ressuscité, mais il a été volé par ses disciples. C'est-à-dire qu'une pierre a été mise sur le tombeau, pour fermer le tombeau. On a mis des gardes pour surveiller. Et ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Pourquoi? Le tombeau était vide. Quand on dit le tombeau est vide, il est ressuscité. Ils disent non, ce n'est pas parce qu'il est ressuscité, c'est parce que ses disciples sont venus voler son corps. Mais comment est-ce que les disciples auraient pu voler le corps de Jésus en enlevant les bandes, le bandage qui a été mis sur lui pour l'embaumer? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que les corps, en cette époque, ce n'est pas comme chez nous ici, où quand une personne décède pour l'enterrer, le croque-mort, on donne un vêtement au croque-mort et puis il porte habit au mort plutôt. Parfois, on porte veste, je ne sais pas, tous vêtements qu'on veut. Il y en a même qui aiment tellement le football qu'à leur mort, on leur porte maillot de football pour les enterrer. Bon, il y a tellement d'exemples. Mais pour les Juifs, là, on prend bande et puis on entoure comme ça. Un peu comme... Comme les momies, là, ils ont entouré le corps du Christ avec des bandes. Il y a bande pour le corps et puis il y a bande pour la tête. Mais les bandes là sont encore là. On est venu trouver les bandes là. Bande de son corps là, c'était là comme ça. Bande pour sa tête là, c'était plié. Il a plié son affaire.
Ah, quand j'ai médité sur cette parole pendant que je préparais ce texte, ça m'a fait quelque chose. Ça dit que l'ennemi, la bande qui avait été mise sur sa tête. Alléluia! Ah, il y a une puissance dans cette parole. Ce matin, cette catéchèse, le Seigneur est en train de fortifier la foi de quelqu'un. Quelqu'un est en train d'être challengé puissamment. Les disciples n'auraient pas pu voler le corps et laisser les bandes. Ce n'était pas possible. Parce que, il était, n'oubliez pas, hein, Jésus était défiguré. Nous tous avons regardé la passion du Christ. Comment est-ce que son corps avait été mis en lambeaux? Il avait été déchiqueté. Et nous-mêmes, on sait, nous tous, on était petits, on a été blessés. Quand tu es blessé et qu'on met, à nous, à notre époque, c'est l'esparadrap. Quand on met l'esparadrap sur ta plaie et qu'on n'enlève pas vite, qu'est-ce qui se passe? Ça colle. Ça colle. Donc imaginez Jésus, lui qui a tout son corps qui a été déchiqueté, c'est des bandeaux qu'on a mis. Donc les bandeaux-là étaient forcément collés à sa chair. Donc ce n'était pas possible que des hommes viennent voler le corps de leur maître et puis voler. Quand on dit voler, ça dit qu'on doit faire vite, vite pour quitter là. Il n'aurait pas pris le temps d'enlever les bandeaux là comme ça, et puis laisser ça là, et puis prendre le corps déchiqueté, qui avait même commencé peut-être à pourrir, prendre ça pour partir. Ça n'a aucun sens. S'il y a eu les bandeaux qui étaient encore dans le sépulcre, et le corps de Jésus n'était pas là, c'est parce que Christ s'est ressuscité. C'est parce qu'il est sorti vivant du tombeau. C'est pas un homme qui est venu le soulever, non. Il s'est levé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un ange qui a ouvert, c'est pas lui qui a ouvert le tombeau, c'est un boss, c'est un roi quand même. C'est un roi. Comme une autorité va venir et puis il va ouvrir la porte. Qui a déjà vu ça? Un ministre vient quelque part et puis on lui ouvre la porte. C'est pourquoi la Bible dit qu'un ange est venu rouler la pierre. Il existe un ange qui roule la pierre. Ce même ange, dans cette catéchèse, dans ce matin, est en train d'ouvrir les portes de la vie de quelqu'un qui est en train de dire Amen fort. Alléluia! Il est ressuscité. Et ça, c'est une preuve tangible. Et les bandeaux qui ont servi à son ensevelissement sont encore là. Troisième argument. Les pharisiens donc ont mis des gardiens devant le sépulcre pour que les apôtres ne viennent pas dérober le corps. Dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 63. Mais un ange est descendu, comme je le disais, du ciel. Il a roulé la pierre qui fermait le sépulcre. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Tellement ils ont eu peur, ils ont été paralysés par la peur. Donc ils sont tombés comme raides morts. Puis ils entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Matthieu 28, verset 4. Les gardiens qui ont été mis là par la haine des pharisiens sont devenus ainsi les témoins de la résurrection du Christ. L'un d'entre eux était appelé Saint Login, le centurion, qui est devenu martyr pour le Seigneur. Écoutez, les pharisiens sont allés voir Pilate. Ils lui ont dit, il faut mettre des gardes devant le tombeau du monsieur là. Parce qu'il a dit que lui, il va rester le troisième jour. Pilate lui a dit, moi, je ne veux pas vous donner des gardes. Vous-même, vous avez une armée. Prenez vos gardes et puis allez mettre là-bas. Une affaire qui a bouleversé tout Israël. Tout Israël était bouleversé et j'ai envie de dire, était en ébullition à cause de cette affaire de Jésus. Ça choquait tout Israël. Le vendredi saint, toute cette foule immense qui l'a suivi, qui a accompagné Jésus, qui a porté sa croix, ce n'est pas un événement qui est passé inaperçu. Donc, Jésus, en son temps, j'ai envie de dire, il a créé le plus grand buzz de sa génération. Il a créé le plus grand buzz en commençant à guérir les malades, à chasser les démons, à manifester sa puissance. Mais quand il est mort, quand il partait mourir, il y avait encore un buzz. Tout le monde était connecté. Ça l'a suivi de partout. Ils n'avaient pas les smartphones, mais ils ont utilisé leurs pieds. Ils l'ont suivi pour aller voir ce qui va se passer. Et c'est devant eux tous, devant tout le peuple, qu'il est mort. C'est devant tout le monde qu'il est mort. Donc, quand une telle personne dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, pour annoncer donc le fait de sa résurrection après 3 jours, si on dit on va prendre des gardes pour aller surveiller son tombeau, pour ne pas qu'on vole son corps, est-ce que vous pensez un seul instant que c'est des petits gardes qui vont mettre devant? Ils ont mis des gens très sérieux. Ils ont mis, j'ai envie de dire, ils ont mis les commandos d'élite pour surveiller le tombeau, pour ne pas, d'après eux, pour ne pas que les disciples viennent voler. Mais comment se fait-il qu'on met des commandos d'élite pour surveiller un tombeau et puis on vient voler un corps? Jésus, ce n'est pas un bébé. Jésus était adulte, il avait 33 ans. Comment on peut venir voler un corps dans un tombeau qui est hermétiquement fermé par une grosse pierre? Sans que les gardes puissent en apercevoir. Comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? Et jusqu'aujourd'hui, la Bible dit jusqu'aujourd'hui, voici un argument que les Juifs utilisent. Ils disent que
ils sont venus voler le corps de Jésus. Mais nous savons pour nous que Paul a dit à son fils Timothée, la parole de Dieu est une parole qui est entièrement et totalement digne de confiance. J'ai oublié ce passage de Jean qui dit que nous disons ces choses parce que nous avons été témoins. Donc il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Mais spirituel qui a été causé par la descente de l'ange qui venait rouler la pierre, ils sont sortis aller annoncer. Et c'est ainsi que ces soldats-là sont devenus, j'ai envie de dire, des premiers à annoncer que le gars on a mis dans le tombeau là, et il est ressuscité. Hein. De toute façon, il avait dit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité comme ça. Mais les chefs religieux ont réussi à convaincre certains pour leur dire, prenez cette somme d'argent et dites que ses disciples sont venus voler son corps. Mais parmi eux, il y a un qui a tenu, c'est un longin, le centurion. Lui, il est resté comme longin, ça s'écrit L-O-N-G-I-N, le centurion. Donc, c'est un saint qu'on peut invoquer. Lui, il est resté ferme sur sa position. Il dit, ce que j'ai vu là, c'est vrai. Le monsieur là, il était mort, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Vous qui nous prenez en cours, nous parlons donc de l'article 5 du symbole de la foi. Il est ressuscité et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Nous sommes en train de traiter la première partie et il est ressuscité le troisième jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc en ce moment précis, je suis en train d'expliquer, donner quelques preuves de la résurrection de Jésus. Preuves qu'il faut avoir, qu'il faut connaître. Je le disais au départ, s'il y a une chose avec laquelle il ne faut jamais jouer dans ta vie de chrétien ou bien de chrétienne, c'est que quelqu'un vienne s'arrêter devant toi pour te dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ça, on ne joue pas avec. Il est en train de blasphémer d'une manière tellement grave. Il ne faut jamais jouer avec. Dernier signe de la résurrection de notre Seigneur Jésus, l'apparition aux apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 3 qui dit ceci. Il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, Actes chapitre 1, verset 3. Le Christ est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 6 à 8. Cela a été écrit par Paul. Dernière preuve donc de la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est le fait que Jésus est apparu à plusieurs personnes après sa résurrection. Il n'est pas ressuscité pour se cacher, non. Il n'est pas ressuscité pour se cacher. J'ouvre une parenthèse. Parfois, on nous pose la question de savoir, quand Jésus est ressuscité, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir les pharisiens qui l'ont tué? Qui n'a jamais entendu ça? Non, si, c'est une question qui est très, très pertinente. Il est ressuscité. Il a dit qu'il allait ressusciter. Maintenant, il y a un débat sur la résurrection. Pourquoi il n'est pas allé se montrer aux pharisiens, à ceux qui l'ont tué, aux Romains, même à Pilate qui était là, les chefs romains qui étaient là? Pourquoi il n'est pas allé se montrer à eux? Parfois, on pose cette question-là. Retenez ceci, écrivez même si vous pouvez. Jésus est ressuscité là. Ce n'est pas pour venir prouver qu'il est dangereux. Il faut écrire. Ce n'est pas pour prouver à quelqu'un qu'il est fort. Ce n'est pas pour ça qu'il est ressuscité. Ça fait, on dirait, en fait, nos pensées, les pensées humaines là, on veut forcément les intégrer à la réalité spirituelle et au plan divin. Dans le plan de Dieu, Jésus là, il devait mourir et ressusciter pour partir. S'il devait apparaître là, il devait apparaître uniquement à ses disciples et non à la foule. Parce que s'il apparaissait à la foule, à tous ceux qui l'ont tué, il venait ainsi casser le plan divin, le plan de Dieu. J'ai envie de dire, cela signifierait que c'est la fin du monde. Ah, donc c'est lui le Messie, ah, c'est lui le Messie, ah, c'est fini. C'est la fin du monde. Il n'est pas ressuscité pour ça. Et puis comme nous, on aime discuter, on pense que Jésus, on veut forcément mettre le contexte de la résurrection dans une affaire de débat. Débat télévisé, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Ce n'est pas à cause de nos émotions. Parce que les hommes, parfois, les hommes font les choses par émotion. Ah, tu veux dire quoi? D'accord, attends, tu vas voir. Tu vas essayer de démontrer. Dieu a un plan. Dieu a un canevas. Dieu a un programme pour l'humanité. Christ devait mourir et ressusciter pour sauver l'humanité. Et il est dans son programme. Dans ce programme, il est écrit que Christ va revenir. Venir chercher ses disciples. Qui va revenir, venir chercher ses disciples? C'est là qu'il va mettre fin à la mort. Il va mettre Satan en prison pour 1000 ans.
Tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Hein. Si tu ne lis pas ta Bible, c'est des choses que tu vas voir sont bizarres. Il va enfermer la bête pendant 1000 ans et puis après recommencer toutes choses. Donc, pourquoi Christ est ressuscité? Et la preuve que Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Ils l'ont vu. Pierre l'a vu. Les disciples d'Emmaüs, ils l'ont vu. Eux tous, on dit qu'il est apparu à 500 frères en même temps. Il est omniprésent. Le don de bilocation, il est Dieu, il peut faire ça facilement. Être partout en même temps. Il a Abidjan, il a Giglo, il a Guingois, il a Vavois. En même temps, il est apparu à 500 frères en même temps. Il est apparu à tous les disciples. Et à la fin, il est apparu à Paul. Et il y a même des saints à qui le Seigneur s'est révélé. Sainte Marie l'Égyptienne, elle a vu le Seigneur. Donc, voici une preuve. Les gens l'ont vu. 3 jours après sa résurrection, les gens l'ont vu. La preuve que Christ est ressuscité. Amen. Amen. Donc, c'était la première partie de ce passage-là de notre cinquième article de la foi. Et il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, nous allons parler de selon les Écritures. Amen. Selon les Écritures. D'où viennent les mots « il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures » Ces mots sont tirés donc de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Donc le credo que nous récitons là, c'est entièrement tiré de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est une prière puissante. C'est pourquoi c'est une prière puissante. Que veut dire selon les Écritures? Ça veut dire quoi? Dans le credo, on dit les ressuscités conformément aux Écritures. Ça veut dire quoi? Les mots selon les Écritures veulent dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité comme c'était prophétiquement écrit dans le livre de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas ressuscité au hasard. C'est comme, tu peux penser que la résurrection, il devait ressusciter, pouf, il est ressuscité. Non, il y avait un programme qui avait été écrit. Oh, Dieu est trop bon. Il ne fait jamais ces choses au hasard ou bien de manière subite, sans préparation. Tout ce qu'il allait faire, il a dit, il a prédit par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Isaïe, le chapitre 53, le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. L'apôtre Pierre dit, il cite le psaume 16, le verset 15. Il dit, quand il parle de la résurrection du Christ, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Il dit, le psalmiste qui a vécu des siècles avant que le Christ vienne, il avait eu une révélation que le Christ devait ressusciter. Isaïe, c'est ce que Isaïe aussi a dit. Et Jésus lui-même, il a dit en Matthieu, le chapitre 12, le verset 40, il dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre de poisson, c'est comme ça le Fils de l'homme aussi fera 3 jours dans le tombeau et sortira victorieux. Donc, la résurrection de Jésus était quelque chose de planifié, était quelque chose qui avait déjà été annoncé. Et il est ressuscité conformément à ce qui avait été annoncé. Voici un peu donc concernant « Il est ressuscité conformément aux Écritures ». Donc nous venons ainsi de clore l'article 5 donc, du symbole de notre foi. Je vais rapidement brosser l'article 6. « Il est monté au ciel et siège à la droite du Père ». Christ est monté au ciel et siège à la droite du Père. Bientôt nous allons célébrer la fête de l'Ascension. Dans ce passage traite de la fête de l'Ascension, de la solennité de l'Ascension, il est monté au ciel et s'est à la droite du Père. Comment était l'Ascension de Jésus-Christ de Nazareth? Le Christ fut élevé pendant que les apôtres le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voici comment s'est passée l'ascension. Il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Quand le temps est venu, il a donné les derniers conseils et puis il est monté. Il est monté dans une nuée. Ils étaient tellement, en langage ivoirien, ils étaient tellement kabako. Ils ont regardé le ciel la bouche ouverte.
Ils avaient encore la bouche ouverte, les yeux fixés dans le ciel. Et deux anges sont venus, ils avaient porté des habits blancs. Ils sont venus leur dire, homme de Galilée, pourquoi vous restez là encore derrière le ciel? Jésus, il est parti, c'est fini. Mais de la manière dont il est parti là, c'est comme ça qu'il va revenir. L'ascension était-elle prédite dans les livres de l'Ancien Testament? Est-ce que ça a été déjà prophétisé? Oui, l'ascension avait été prophétisée. C'est des textes vraiment qui ont été, j'ai envie de dire, décodés par les pères de l'Église. Donc, c'est avec une pure foi, avec un pur Saint-Esprit, que les pères de l'Église ont pu prendre certains textes pour dire que ce texte-là, même quand tu lis là, même s'ils n'ont pas écrit dedans ascension, mais ça parle de l'ascension. Les pères de l'Église ont fait un travail extraordinaire. C'est pourquoi quand je vois parfois certains, pas tous, certains pasteurs, certains soi-disant prophètes, protestants évangéliques, qui nient carrément les travaux, les écrits des pères de l'Église, c'est vraiment à craindre. C'est vraiment à craindre. Parce que je le dis, parce que toi aujourd'hui tu es vivant, tu fais 21 jours de jeûne, tu fais 40 jours de jeûne à l'eau, tu te crois plus spirituel que des gens qui ont vécu avec Jésus. Des gens qui sont venus juste après, des siècles après Jésus. Des gens qui ont reçu les enseignements directs des apôtres. Des gens qui jeûnaient, des gens qui s'envolaient, des gens qui ont fait des miracles extraordinaires. Toi, à cause de tes 40 jours de jeûne, là, tu vas penser que ce que les pères de l'Église ont dit là, ça ne compte pas. Ou bien ça compte pour du beurre. Ça, c'est très, très dangereux. Et heureusement que ce n'est pas tous les pasteurs qui pensent comme ça. Les véritables serviteurs de Dieu savent que ce qui fait la foi, là, ce n'est pas que la parole de Dieu. Si, si, il y a aussi la tradition. Il y a aussi les écrits des pères de l'Église. Donc, les pères de l'Église disent que dans Zacharie, le chapitre 14, le verset 4, ce texte parle de l'ascension. Le texte dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Quand tu lis comme ça, de manière littéraire, tu ne vois pas où il y a fait l'ascension dedans. Pourtant, les pères de l'Église disent que ça, là, ça parle d'ascension. Et quand les pères de l'Église disent là, il faut croire. Parce que tu n'es pas plus spirituel qu'eux. Soyons humbles. Comment le Christ est-il monté au ciel? En tant qu'homme ou en tant que Dieu? Voici ce que je disais tout à l'heure. Un jour, je méditais là-dessus, je nous dis la vérité. Cette affaire de christianisme-là, elle est vraie. Au fait, tout concorde. Ce n'est pas parce que je vais dire ça que c'est vrai, hein, mais c'est déjà vrai. Avant et même après que je serai. C'est déjà vrai, il y a longtemps, c'est vrai. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est ressuscité, est-ce que parce que lui ne croit pas, sa main, ça vient détruire le christianisme? Ce n'est pas possible. Non. Comment le Christ est-il monté au ciel? Il est monté en tant qu'homme ou bien en tant que Dieu? Ce point-là, c'est un point qui correspond tellement avec la résurrection. C'est inséparable au fait. Les pères de l'Église disent, il est monté au ciel en Galilée quand il a donné rendez-vous à ses disciples. Il est monté comme ça là. Il est monté en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Les deux natures. Il est monté en tant qu'homme et dans la même chair qu'il avait à sa naissance et à sa mort. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Certifie Éphésiens chapitre 4, le verset 10. C'est lui qui est descendu là, c'est lui qui est monté, c'est le même. Pourtant, il est descendu en tant qu'homme, en tant que Dieu. Il est descendu en tant que Dieu, il a pris chair de la Vierge Marie, c'est là qu'il s'est fait homme. Il est descendu, il est monté en tant que Dieu. Le Christ est omniprésent. Il est donc présent toujours au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils qui est dans le ciel. Écoutez très bien. Voici pour moi la preuve que le ciel existe. Quand la Bible dit qu'il y aura un jugement dernier, et puis ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu vont aller en enfer, là. Ce n'est pas une vue d'esprit. J'ai entendu même des hommes de Dieu dire que non, il n'y aura personne en enfer. Parce que Dieu est trop miséricordieux pour prendre son enfant et puis aller le mettre dans le feu. Attendez. Si on veut s'appuyer sur cette affaire de miséricorde de Dieu, là, où on met la justice de Dieu? Où mettons-nous la justice de Dieu? La Bible dit qu'il est assis sur un trône de justice et d'équité. Il a dit, le ciel, le paradis existe. Aujourd'hui, on a peur du mot paradis. Parce que quand tu dis le mot paradis, ça fait André un peu, tu es un peu... Qu'est-ce qu'il raconte? Le paradis. On est sur la terre, on a qu'à vivre bien dans le village, pas le paradis. Le paradis existe. Pourquoi? Regardez. Jésus, son corps qui a été déchiqueté, a été mis dans le tombeau. Ce corps qui a été mis dans le tombeau est ressuscité. Je l'ai dit au départ. Ce corps qui était déchiqueté là, il a été reconstitué par la puissance du Saint-Esprit et il s'est relevé, il est sorti du tombeau. C'est ce même corps-là que les 500 disciples ont vu.
C'est ce même corps. C'est avec ce même corps qu'il a parlé. Il a apparu dans la pièce de la chambre haute pour leur dire, je vous donne rendez-vous en Galilée. C'est de là-bas que je vais vous dire au revoir. C'est ce même corps-là, il a pris pour leur parler, pour leur dire au revoir, oh mes disciples, bye bye, à très bientôt. Et puis il est monté. Écoutez, c'était la chair. Thomas a dit, si je ne touche pas, si je ne mets pas mon doigt pour voir là où on l'a cloué, là, moi je ne vais pas croire. Quand le Christ est apparu, comment quelqu'un peut apparaître dans une... Comment une chair peut passer au travers d'un mur? Jésus l'a fait. Et à l'ascension, c'est la chair de Jésus qui est montée. Écoutez-moi bien. Un jour, j'ai médité là-dessus, j'étais choqué. J'étais pris d'un grand effroi, comme on le dit. Il est monté avec sa chair. Mais il est monté, il est parti où avec la chair là? Comment ça peut monter aussi? Il est parti au ciel avec sa chair. Comment cela se fait? Est-ce que vous réalisez? Ça veut dire que, au temps dernier, effectivement, chacun de nous va ressusciter et nos chairs là vont monter, aller rejoindre notre esprit. C'est, il est monté dans sa chair. Dieu est venu prendre chair. Et parce qu'il devait retourner, il ne pouvait pas laisser cette chair. Imaginez, Dieu va laisser sa chair ici. Vous pouvez voir. Aïe. Donc il a tuné ça, il a guégué ça, il a cliné ça, il a glorifié ça, et puis il est monté avec. Donc la chair, donc ça veut dire que en ce moment précis, Dieu qui est pur esprit, puisque Christ est assis à sa droite, ça veut dire que Dieu qui est pur esprit, Christ est assis à la droite de Dieu le Père, dans son corps, dans sa chair. Est-ce que vous réalisez? My God. Ce qui vient pour attester le fait que, effectivement, il y aura un jugement dernier. Il y aura deux camps. Il y aura un camp qui ira en enfer et puis un camp qui ira au ciel. Nos corps là, c'est dans nos corps là, ressuscités, que nous allons adorer, rendre l'adoration éternelle à Dieu le Père. Amen. 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 Vous tous qui nous suivez en direct, peut-être que tu as connecté en ce jour pour la première fois. Peut-être que tu ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je veux te dire ceci. C'est une réalité puissante. Jésus-Christ de Nazareth est effectivement ressuscité. Comment expliquer que la chair puisse monter et aller s'asseoir dans le règne de l'esprit? Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est esprit, c'est comme du vent. L'esprit là, c'est comme du vent. Donc comment se fait-il que dans le règne du vent, en griffe, se tient un corps? Bon, ainsi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc en conclusion, retenons ceci. Retenons que Christ est effectivement, il est bel et bien ressuscité. L'article 5 de notre foi, du symbole des apôtres, le dit. Il est ressuscité le troisième jour. Mais il est ressuscité d'une manière particulière. Il est ressuscité conformément aux Écritures, selon ce qui était écrit, selon ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est ainsi qu'il est ressuscité. Et puis il est monté au ciel. Comment est-ce qu'il est monté au ciel? Il est monté au ciel en tant que Dieu, en tant qu'homme. Et parce qu'il est monté au ciel, la symbolique du ciel, de l'ascension pour nous, ça veut dire que nous aussi, on va monter. Regardez, tout ce que Jésus a fait, c'était à titre inauguratif. Bien sûr, il est venu sauver l'humanité, tout ça. Mais il est venu faire tout ça là, pour que nous aussi, on puisse faire. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait là, nous aussi, on n'aurait pas pu faire. Voilà, donc notre espoir se trouve dans le fait que, ah, il y a un homme là qui est mort et qui est ressuscité. Ah, donc pour nous aussi, il y a de l'espoir. Il a été accusé à tort, mais après l'accusation, Dieu l'a justifié, Dieu l'a glorifié, et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc dans ce que je suis en train de vivre comme épreuve, comme difficulté, Dieu peut me justifier. Dieu va te délivrer. Dieu va te justifier. Et il va te donner un nom au-dessus du nom de tes ennemis. Si tu as dit Amen fort à cette parole. Donc, il est venu à titre inauguratif. Ce qu'il a fait là, c'est pour que nous aussi on puisse faire. C'est pour que nous aussi on puisse marcher dans ses pas. Un jour, nous aussi, on va mourir. Un jour, nous aussi, on va ressusciter. Et on sera avec lui dans la place qu'il aura réservée pour nous. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus très fort. Que quelqu'un dise merci Jésus. Que quelqu'un dise merci Jésus. Vous tous qui nous suivez en direct, écrivez merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Jésus pour tout ce que tu as réalisé pour nous. Amen. Ainsi, nous sommes à la fin de notre catéchèse de ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Je serai encore avec vous le dimanche prochain. Nous allons traiter le cinquième article de la foi.
qui dit « Il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » Amen. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église orthodoxe Patria Cadre Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergius Pacromios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30.